Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment que je répertorie mes diamants en rab que j'ai, tous mes restes de diamants. Ce sera une vidéo courte, hein, ce sera pas une grande vidéo. Ça sera pas une grande vidéo, c'est juste pour vous montrer. Parce que là, j'ai commandé un deuxième sachet de diamants que j'avais acheté sur Amazon. Donc on va les répertorier ensemble. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le sachet de base. Et je vous avais fait déjà une vidéo où je vous avais montré, je crois, si je ne me trompe pas. Donc là, on va les répertorier ensemble. Alors, bon, Gizmo apparemment qui ne veut pas que je fasse. Gizmo, bébé. Et je vais vous montrer, j'ai trouvé sur Pinterest des tableaux de DMC que j'ai téléchargé, que je me suis imprimé. Alors, bon, je ne sais pas si je peux donner le nom de la personne ou pas, donc je ne vais pas donner le nom de la personne au cas où, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. Mais sur Pinterest, vous tapez tableau DMC et vous avez, vous tombez sur des tableaux DMC comme celui-ci. Alors attendez, Gizmo, viens là. Mais oui, mais si tu te mets là, je fais comment moi? Hein? Voilà, on a les tableaux DMC qui sont classés par ordre... Oh ! Mince, pardon. Oh mon bébé ! Maman, elle refait tomber le téléphone sur toi. Qui sont classés par DMC, donc ça va de la DMC 48, 51. Alors ceux-là, je ne sais pas c'est quoi comme DMC. Je pense que c'est des couleurs de diamants pastel, pas pastel, peut-être spéciaux, je ne sais pas du tout. Et après, vous avez toutes les autres références. Donc vous avez plusieurs pages. Donc voilà. Attendez, hop. Et du coup, je me suis imprimée pour mes diamants ronds. Et je me suis imprimée aussi la même chose pour les diamants carrés. Donc tout là où il y a des croix, des petites croix, c'est là où j'ai... Alors ça, c'est les DMC qui ne sont pas notés dedans. Je pense que c'est un oubli ou je sais pas. C'est les DMC qui n'étaient pas notés dedans. Donc ça, c'est tous mes diamants carrés. Donc tout là où il y a des petites croix, c'est les références que j'ai en diamants carrés. Donc voilà. Et ceux-là, c'est ceux avec les diamants ronds. On va les faire ensemble. Alors par contre, j'ai remarqué dans les diamants carrés, j'ai le 256, si je ne me trompe pas de référence. 256, j'ai 4 teintes différentes de 256 en diamant rond. Donc, bien faire attention quand vous triez vos diamants, parce qu'il y a des diamants qui n'ont pas la même teinte que les autres. Je vais essayer de vous montrer en photo parce que je ne vais pas ressortir toutes les boîtes, elles sont rangées. Là, c'est une couleur par exemple. Là, c'est une DMC. Je ne pourrais plus vous dire laquelle. Trois teintes différentes. La même DMC. Une autre DMC, le 256. Voilà, le 256. Voilà, quatre teintes différentes. Et à 256, ça c'est toujours pareil. Ouais, 256. Donc, quatre teintes différentes. Donc, à bien faire attention quand vous triez vos DP. À cause des teintes, parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes teintes chez chaque vendeur. Alors ça, c'est tous mes diamants carrés, vous voyez, je les ai mis dans des petites boîtes rondes comme ça. Et ils sont classés par... elles sont numérotées dessus, les DMC sont numérotées dessus. Quand j'ai pas de DMC, je marque dessus gris clair, bleu, violet, orange, marron clair, etc. Donc voilà, et pour mes diamants ronds, comme j'ai plus assez de petites boîtes, du coup mes diamants ronds, je les ai mis dans des sachets zip comme ça, mais pareil, elles sont numérotées aussi. Il faut que je me rachète des boîtes rondes, des petites boîtes rondes, parce que c'est très très pratique, rien que pour ranger, parce que en sachet zip comme ça, on voit moins, je vois les références sur les boîtes, mais c'est moins organisé, enfin j'aime moins. Que là, mes diamants carrés, j'ai gardé une boîte de Ferrero Rocher géante. Du coup, là où c'est rangé dedans. Et sur la boîte, il y a les références qui sont notées dessus aussi.
Sur la boîte aussi, c'est noté. J'ai pas la photo de sur la boîte, non. Non, j'ai pas pris les photos en notant sur la boîte. Je regarde hein, si je trouve. Non, j'avais pas pris en photo, mais je l'ai mis de toute façon sur mon live. Sur mon live, c'est noté. Enfin, je les ai montrés. J'ai montré les boîtes et tout, donc tout est dessus sur le live de groupe de mon groupe de Diamant Painting. Non, j'ai pas pris en photo. J'aurais dû. Bah, je vais vous montrer une de mes boîtes. Je vais pas sortir la toute grande parce que la toute grande, elle est tout en dessous. Mais du coup, vous voyez. Et les références, elles sont notées ici. Alors ça, c'est une boîte de parfum que j'ai gardée et j'ai mis dedans. Donc voilà. Hop. On va prendre les étiquettes. Et on va commencer à référencier ensemble. Voilà, j'ai des sachets zip, donc j'ai pas besoin d'en ressortir. Peut-être ressortir un paquet parce qu'il y a pas mal de couleurs. Voilà. Allez, on va commencer. On va prendre un sachet. On va prendre déjà celui qui est ouvert. Alors, c'est des lots de sachets que j'ai achetés sur Amazon. Il y a 60 couleurs différentes. Donc, il y a 60 DMC différentes. On va voir si certaines DMC correspondent aux DMC que j'ai déjà ou non. On va déjà couper tous les sachets. Je sais même pas s'ils vont rentrer dans les petits sachets zip en petit. Je ne sais pas du tout si ça va rentrer dedans. Hop, on va déjà couper les sachets. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, week-end compliqué. Ma chienne s'est fait mal à la patte. On ne sait pas ce qu'elle a. Et moi, depuis ce matin, j'arrive plus quasiment à marcher. J'ai une jambe qui s'est comme si elle s'était endormie. Donc voilà. On a été ce week-end à une brocante de grippe de geek. Dimanche, là, on a été. Mais alors, déçu. On a fait une demi-heure de route et on a été très déçu. C'était censé être sur 1000 mètres carrés. On s'est retrouvé dans une petite salle des fêtes, mais rikiki, avec quelques exposants, mais il n'y avait pas grand monde comme exposants. D'un stand à un autre, je viens d'ouvrir celui-ci sans faire exprès. Attendez, celui-là, il faut que je le mette de côté. J'ai ouvert le sachet. D'un stand à un autre, les prix étaient totalement différents. Mais c'était pas top. Honnêtement, on était déçus. On a fait de la route pour, on va dire, rien du tout. Bon, après, c'est comme ça, hein. On ne pouvait pas savoir à l'avance. En plus, ils en avaient fait toute une pub sur Internet et tout. Et ça avait l'air superbe. Il était censé y avoir des cosplayers. Donc, moi, c'est ce que je voulais voir de base. Et au final, les cosplayers, on ne sait pas où ils sont. On ne les a pas vus, hein. Ils ont peut-être oublié de venir. Alors là, je suis en train de couper les sachets et après, on va commencer à les référencier ensemble. Et ces diamants-là, tous ces diamants-là, ça sera pour faire. Je vous ai montré déjà, j'ai acheté des toiles vierges et ça va être pour faire mes propres dessins, mes propres DP, des petits DP, petits porte-clés, des petites choses comme ça. Et on fera ensemble de toute façon, je le ferai en vidéo pour vous montrer comment que je fais et comment que je procède et tout ça. Hop, voilà. Ouais, mais du coup, comme cela, c'est exactement les mêmes DMC. Comment que je vais m'y prendre?
forcément, ceux-là, c'est exactement les mêmes. Mais comment je vais m'organiser pour retrouver la même DMC, ceux-là et ceux-là? Et encore, je ne sais même pas si c'est les mêmes. Ah, on a un gros sachet de sachet zip. Donc, du coup, comme ça, j'en ai deux. Ça, c'est bien pratique, par contre. On a un lot d'étiquettes qui est fourni avec aussi. Parce que, du coup, il va falloir que je cherche... Et ça rentrera pas dans mes boîtes, là. Alors, 550, par exemple. Ah si, 550, il est là. Bon, ce que je vais faire, quand je vais prendre un sachet ici, je vais essayer de le trouver dans l'autre là et puis faire comme ça. On va voir comment... Déjà, on va faire celui qui est ouvert. Hop. 37,77. Donc, 37,77, on va le chercher dans celui-là. Par contre, attendez, 30 secondes. Je mets pause à cause du bruit, c'est juste pour les séparer un peu. Voilà. Je les ai posés comme ça avec les références visibles. Donc 37,77, il est là aussi. Et on va tester, on va voir si ça rentre dans un sachet. Déjà, hop, on décale. Donc le 37,77, on en a deux. Déjà, on regarde si je l'ai, 37,77, si je l'ai déjà ou pas. 37,77. Oui, j'en ai déjà. J'ai une petite coche dessus. Donc, apparemment, j'en ai déjà. Donc, il faut que je retrouve dans mes boîtes le 37,77. Déjà, si j'arrive à les retrouver. 37,77. Et voir si c'est la même référence couleur ou pas. 37,77. Ben, ça me dit que j'en ai, mais... ça, c'est quoi comme 36,65. C'est pas dans celle-là. Je me rachète des boîtes... des boîtes rondes, c'est plus facile. 37,53, 37,65. C'est plus facile à organiser et à avoir dans les boîtes rondes que dans les boîtes comme ça. Bah, ça me dit que j'en ai, mais je le vois pas. Je ne suis pas trompée. 15, 76, 37, 77 ronds. Bah, j'ai un souci parce que je ne le trouve pas dans mes boîtes. Bon, c'est pas grave, en soi, je vais refaire 38,65, 310, 310, 310, 38,65. Bon, on va refaire un sachet, c'est pas grave. C'est étonnant que ça me dit que j'en ai et que je le trouve pas. Ou alors, je l'ai déjà utilisé. Alors, une petite... une petite étiquette. Voilà. On note dessus 37,77. Sur la boîte auquel on va le mettre dedans, on le note 37,77. Par contre, ça va faire des gros sachets. Ça va pas suffire dans les boîtes. Je pense que ça va faire trop grand dans les boîtes. Et maintenant, on remplit. Ça en fait quand même pas mal hein, par sachet. Hein. Les sachets, vous avez vu, ils sont bien garnis quand même. Hein.
crois qu'il y a 1000 diamants par sachet, je crois. Je crois que c'est ce qu'ils avaient mis. Oui, il y a 1000 diamants par sachet, parce qu'il y a 60 000 diamants en tout. Donc, il y a 1000 diamants par sachet. Vous avez vu, c'est des sachets quand même qui sont bien remplis. Moi, j'ai acheté le lot en deux pour en avoir plus, pour être sûr de ne pas être en manque de certaines références. On ferme. On vide. Et voilà, les deux sachets, ça fait ça. Et on met dans la boîte qui correspond. Oui, par contre, là, ça va faire des gros sachets. Il va falloir que je refasse des nouvelles boîtes. Bon, là, c'est vraiment provisoire que je les mets dans les boîtes comme ça parce que il faut que je rachète des boîtes, des tubes ronds. Ah, mais attendez. C'est où aussi? Parce que j'ai des boîtes. Est-ce que c'est dans ça? Attendez. Je mets pause 30 secondes. J'ai peut-être une autre solution de rangage. Voilà, j'avais des boîtes comme ça. Ah ouais, mais ça ne rentrera jamais dedans non plus. Hein. Là, j'ai pas pour mettre 60 références. 1, 2, 3. 5, mais au pire, ce que je peux faire, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bon, j'en ai quand même 28, mais ce que je peux peut-être faire, c'est mettre tous les sachets qui sont pas très chargés, les remettre dedans, et comme ça je garde les grosses pour les gros, ou comment je peux faire? Déjà, faites voir. Un gros comme ça, je peux en mettre combien dans ma petite boîte? Même pas en mettre deux, je pense. Non, je peux en mettre que un seul, on va dire. Il m'en aurait fallu 30 de plus, quoi, pour avoir le nombre exact. Comment je vais faire? Est-ce que les petites, je peux pas les mettre. Ça, c'est des petits sachets. Vous voyez, c'est des petits sachets. Les petits sachets, je peux encore les rentrer dedans. Faut que je refasse juste une étiquette. Et on va renoter dessus. Bonne référence. Alors attendez, on va mettre ça là-bas. Ouh, ça fait bordel, hein. Attendez, je vais les remettre dans le carton et je les prendrai à fait du carton, ça sera plus simple. On va y arriver, vous inquiétez pas. Nouvelle organisation. Organisation. Allez. Du coup, dans la boîte là, on va remettre les sachets. Alors, référence 160. Du 37-27. Du 37-65 et du 37-53. Mais je vais pouvoir en reprendre des autres pour remettre dedans. Vous voyez, on essaye de ranger ça au mieux.
qu'on puisse en mettre plusieurs. Voilà. Je vais reprendre dans un autre, hop, dans un autre sachet. Et on va renoter ce qu'on renfile dedans. 38, 80, 36, 87, 800, 822. On va déjà rentrer cela. Comme ça, les grosses boîtes, je les garde pour les gros, les grosses pochettes là. Je pense que ça sera plus simple. Hop, on peut en remettre encore. 779. On met une autre étiquette à côté. Hop. 159. 209. On va arrêter. On va ranger. Après, c'est les sachets qui sont un peu grands. Je pense que celle-là, elle est bien remplie. Voilà, déjà une petite boîte de fête. Pour l'instant, je vais les mettre là, on les rangera après. On va en faire une deuxième. Hop là. Du coup, des grandes étiquettes qu'il me refaut. On dirait pas, hein, mais... Le diamant painting, que ce soit organisation, triage et même pour la pose et tout ça, c'est énormément de travail. Déjà, préparer son DP, faire le DP. Après avoir fait le DP, référencier ses diamants. Après, pour ceux qui ne gardent pas les diamants, bah, vous n'avez pas tout ça à faire, quoi. Et moi, comme je les garde pour faire... des créations après, plein de créations. Et puis là, j'ai acheté des toiles vierges pour faire bah, mes propres toiles, certaines propres toiles. Donc forcément, je récupère tous les diamants que je peux récupérer partout. Alors, 327. Je les ai référenciés, ceux-là. Ah oui, 327, ok. 154. Du 154, j'en avais pas déjà là-bas? Ah non, c'est 159. Du 223. Là, on a 318. Et encore, hein, 208. Là, j'ai tout ça en diamant rond, sans compter tous ceux que j'ai encore, mais que j'ai mélangés par couleur, tous ceux que j'ai encore en boîte comme ça. Parce que là, j'en ai... des boîtes comme ça, j'en ai énormément. J'en ai plein, plein. Voilà. J'ai tout ça. Il y en a derrière. Il y en a encore dans les étages ici. Il y en a partout. Mais là, je les regarde par référence. Maintenant, je les refais par référence. Pour faire mes diamants personnalisés, il me faut les bonnes références, quoi. Les bonnes références couleurs. Pour que si je fais un visage, par exemple, que je trouve bien tous les bons, par exemple, je sais pas pour les visages quelle couleur je peux mettre. Par exemple, tous les 38-65, il faut que ça soit les 38-65 de la même teinte, quoi. 352. Je crois que j'en ai fait un peu trop. Je sais pas s'ils vont tous rentrer dans la boîte, ceux-là. C'est surtout les sachets zip qui sont grands. Après ça, c'était les sachets zip d'origine du DP. Hein. C'est pas grave, on force un petit peu. De toute façon, je les ai tous notés. Ils n'ont pas le choix que de rentrer là. Hein. Non, je crois que j'en ai noté trop. Putain. Mais non, putain, mais mince, j'en ai noté trop. Il
Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Hier, c'est pareil, j'ai voulu faire un live sur mon groupe. Ah, j'en ai fait deux des lives, hein. Deux avec des orages, galère pas possible avec les orages. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais des sachets? Mais ça me fait chier parce que ceux-là, ils sont déjà notés. Il y a eu, j'ai eu deux gros orages. Obligé d'arrêter deux fois le live et tout. Ça a été pas ma journée hier. Hein. Et à ce que je vois aujourd'hui, ça va pas être mieux. Hein. Ah, il y a des jours avec et des jours sans. Hein. En ce moment, c'est des jours sans. Ma chienne, en plus, qui s'est blessée la patte. Moi qui n'arrive plus à marcher. C'est pas top les grands sachets comme ça parce qu'au final, je pourrais en mettre plus des diamants dedans. Mais c'est les sachets qui sont trop gros. J'ai pu mettre que 5 références en celui-là. Ça, c'est les boîtes qu'il va falloir que je vide après, que j'enlève les collants. Vous savez quoi, c'est des grands sachets ceux-là aussi. Ah oui, c'est les mêmes. Donc au final, ça reviendra au même. J'ai plus de petits sachets. Les petits sachets zip, mais les tout petits. Aussi et cela aussi. Bon, les sachets zip, c'est pas ce qui manque. Ça, c'est des plus petits, mais ils ont déjà des références dessus. Ah, cela, c'est des petits. Il y en a des petits dans cela. Oula, je me suis foutu le bordel partout sur le bureau là. Ça y est, hop. Et hop. On a dit cela, c'est des petits. Oui, voilà, cela, c'est des petits, ils sont bien. Au moins, je vais pouvoir mettre dedans. Et ça rentrera. Hop. Nouvelle boîte. En plus. Cette nuit, on a eu le bordel, des orages de ouf, des jeunes qui ont foutu bordel. À 6h du matin, Gizmo m'a réclamé les portes. Il a foutu un bordel pas possible aussi. Il n'avait plus sommeil. Monsieur n'avait plus sommeil. Sauf que moi, bah, j'avais sommeil, hein, forcément. Hein. Obligée de me lever. Et 223. Voilà, j'ai plus qu'à faire mes sachets, ils sont notés. Bon, on va changer de sachet, c'est pas grave. Les grands là, je vais les récupérer. De toute façon, je garde tous les sachets. Tous les sachets. Voilà, déjà dans des petits sachets comme ça, vous voyez, ça prend moins de place. Le petit sachet, hop, on peut bien l'étaler. Juste mettre maintenant des étiquettes sur les sachets. Restez bien vigilant à ce que je poste dans pas longtemps. Je peux pas vous dire exactement dans combien de jours, ça dépend quand est-ce que j'arrive, ça va arriver. J'ai deux partenariats qui arrivent, je vais avoir des vidéos à faire dessus. Activez bien les petites notifications. Dans courant juillet, c'est pareil. Courant juillet, je ferai un jeu concours, mais sur mon groupe Facebook. Donc pour ceux qui voudront y participer, il faudra être obligatoirement abonné à ma chaîne YouTube et être dans le groupe Facebook aussi.
Et être présent dans le groupe Facebook, dans mon groupe Facebook. Être présent, c'est-à-dire poster des choses sur le groupe, pas être là juste pour le jeu concours et ne rien poster et rien faire, quoi. Donc cela, les références étaient déjà notées, donc 223. Après, ce qui est normal, hein. Et à 300 abonnés sur ma chaîne, je referai un jeu concours spécial, un gros jeu concours, enfin un gros. Je ferai gagner plusieurs toiles. Plusieurs toiles et puis des petites choses. De toute façon, vous avez vu, hein, généralement, quand je fais des jeux concours, je mets quand même pas mal de choses dedans. Dans les jeux concours, je charge quand même bien le jeu. Enfin, les cadeaux, je pense, hein. Les sachets zip, par contre, je vais les mettre où maintenant? Ils vont m'embêter. Bon, pour l'instant, je vais les mettre là. C'est de l'organisation. Faut pas se perdre. Faut surtout avoir le matériel, le bon matériel. Là, moi, il faut que absolument que je me rachète des boîtes rondes. Mais bon, les boîtes rondes, c'est un budget quand même. C'est assez cher, les boîtes. 327, 327, que je me trompe pas. C'est assez cher les boîtes, donc on y va petit à petit. J'achète petit à petit et puis. Mais si vous avez des autres astuces de comment vous organisez vos diamants, n'hésitez pas à me les partager aussi. Ça peut me donner des idées. Ça peut donner des idées. Bon, j'ai des boîtes, hein, des boîtes d'outils que je vous avais montré. Avec des séparations au milieu et tout ça, c'est ça comme boîte que j'ai. Faut juste que je les réorganise parce que de base, au tout début, c'était dans ça. Hein. Je rangeais dans ça. Attendez, il faut que j'en retrouve une si elle est tout près de moi. Ah voilà, ben j'en ai une. Donc c'est des boîtes de rangement comme ça. Et il y a tous les espaces. On peut mettre les espaces qu'on veut dedans. On peut mettre des grands espaces, des petits espaces. Et je pense que je vais devoir. Tout ce qui est en sachet zip, je pense que je vais devoir les mettre dedans. Ceux que j'aurai pas la place pour mettre. Ceux que j'aurai plus de boîte pour mettre dedans, quoi. Je les avais vidés pour mettre tout ce qui était maison miniature. Mais maintenant que. Pour l'instant, je ne fais plus de maison miniature parce que j'ai plus la place. Bah, je vais les réutiliser pour. Pour mes diamants. Hop, on vide bien l'air qu'il y a dedans. Bien étalé. Voilà, comme ça, il y a un petit sachet que je peux mettre sur les côtés. Voilà. On reprend une autre boîte, n'importe laquelle. Et on prend les références, on les note. 990. J'ai quand même pas trop mal de références. Ah mince, 990, faut que je marque là aussi. Mais bon, il y a des références, vous voyez, j'ai pas beaucoup. Par exemple, si je dois faire un fond bleu, avec ça, j'ai largement pas assez, hein. J'ai largement pas assez. Pour ça, il y a certaines références qu'il faut que je retrouve pour en racheter, pour avoir un peu plus. 990. Attendez, je vais regarder 990. Est-ce que j'en ai dans ceux-là? Comme ça, je vais vous montrer si ce n'est pas les mêmes références. 990. Hop. Un bleu de toute façon. 38-43, 995. Il n'y en a pas. Ça, c'est du 321. 321. Je pense que le sachet là, c'est un petit. Il devrait rentrer. Voilà. Ça, c'est du 758.
Bon, je vais les ranger déjà comme ça et après je verrai dans les autres sachets. Je sais pas, 758. C'est compliqué à s'organiser correctement, sachant qu'on a plein de diamants partout. Je vais déjà préparer et faire mes petites boîtes comme ça, 758. Déjà, je n'en ai pas. J'en ai pas là, c'est nickel. Quand vous avez plein de diamants partout comme ça, c'est compliqué après à se réorganiser correctement. 702. Je regarde en même temps de ceux de chez Amazon. Si j'ai les références là, c'est un verre. 704, 700. Ça c'est quoi? 906. J'ai pas de 702 non plus. J'ai quand même 60 références différentes, mais au final, c'est pas des références que j'ai déjà, vous avez vu. C'est pas des références que j'ai déjà. 413. Est-ce que j'en ai? J'ai du 414, mais pas le 413. Bon, après, c'est bien, c'est que c'est des références que j'ai pas déjà, donc c'est un grand sachet, ça, par contre. C'est pas des références que j'ai déjà, donc ça tombe bien. Aujourd'hui, je vous montre pas ma tête, hein. Je ne suis pas coiffée, je ne suis pas habillée. Enfin, je suis habillée, hein. Enfin, je suis en jogging et en t-shirt. Mais là, je suis pas coiffée, j'ai une tête horrible, j'ai une migraine pas possible. Oh merde! Bon, ça va, rien n'est tombé. J'ai une migraine pas possible. Hop. Vous voyez, avec des petites quantités comme ça, je peux pas faire grand chose. Ou alors, ça sera vraiment pour faire des tout petits. Des tout petits d'épées, mais vous voyez, des tout petits en forme de petits porte-clés, de choses comme ça. Je pourrais pas faire un grand truc, quoi. Hein. 895. On va regarder. 891. Non, ça s'arrête à 891. On va pas la remplir plus. Je pense que c'est bien. Ah là là, fait le clic. Hop, on a déjà 3 boîtes de remplies. Allez, on continue. Je vais pas en faire longtemps avec vous pour pas vous embêter pendant 3 jours à mon organisation. Hop. 2 diamants, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment que je... ma nouvelle façon de faire. C'est du coup comme ceux de Amazon, c'est des plus gros sachets, il va me falloir les grosses boîtes comme ça. Et au pire, au lieu de les coucher, je les mettrai peut-être si ça rentre debout, je sais pas encore comment que je vais m'y prendre pour les mettre dedans. 728, on est peut-être ici, 728, je dors un peu de moutarde, 783, non, 725, 739, non, donc ça, rien n'en va pas, 728, petit sachet, 728. Bon, après, je ne regarde pas dans ma feuille de route, enfin, dans mon tableau de DMC, puisque ceux-là, je les ai déjà faits. Je les ai déjà faits, donc je ne vais pas les renoter dessus. C'est tous ceux de Amazon, là, que j'ai acheté, par contre, tous ceux-là. Ouais, ceux-là, je ne les ai pas notés dessus, donc il va falloir que je les note. Au pire, ce que je peux faire, je peux mettre pause.
Je peux mettre pause. Référencier déjà toutes mes petites boîtes comme ça. Les mettre dans mes boîtes carrées. Et vous reprendre quand je commencerai à faire ceux de Amazon. Comme ça, je vous montre comment que je fais. Je pense que ça sera plus simple. Je vais mettre pause. Je vais terminer moi mes petites boîtes comme ça parce qu'il m'en reste encore 3 à faire. Terminer de référencier cela et au pire je vous reprends juste après pour faire ceux de Amazon, qu'on fasse ceux de Amazon ensemble, comme ça je vous montre comment que je fais. À tout à l'heure. Re-coucou. Alors on se retrouve, hein, j'avais mis en pause. J'ai référencié enfin toutes mes boîtes. Qu'est-ce qui se passe? B. Mon ordi me fait un écran noir. Mon ordi me fait un écran noir. Bah, j'étais en vidéo. Ça s'est coupé, ça me fait ça. C'est pas un écran noir déjà. Il y a un bug. Bouge la souris. J'étais en vidéo YouTube. Fais CTRL, ALT, SUP là-haut là.